C'est bon. Voilà, c'est qui? Salam alaikum, Fiktou. Activiste J-pop, 77 QSJ, combinaison de 107 savoir, Boval Pierco. On représente 10 ans de rap dans les dents. On est là, l'album à la rentrée, Inch'Allah, combinaison de 107 savoir. Ça, mon frère. Bien encore. Et alors, où vous situez au niveau de l'état d'esprit dans le rap? Dans l'état d'esprit, on se situe dans un rap conscient, on fait un constat. Notre délire, c'est ça, on n'est pas là dans le bling-bling, dans ouais, moi je m'appelle un tel, je suis meilleur que tout le monde, personne n'est meilleur que l'autre. On est là, on fait un constat, on essaye de faire avancer les choses pour nos frères, on représente le quartier du mieux qu'on peut. On est dans la compète, dans la performance aussi, technique, flow, très important, texte aussi. C'est ça notre délire dans le rap, ça fait 10 ans qu'on en fait, Inch'Allah, bientôt à la rentrée, l'album, je le redirai jamais assez. Allez l'acheter. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font du rap, t'as vu, ils font, je sais pas ce qu'ils font, ils sortent leurs trucs à l'arrache. Ils sont tous, ils jouent les violents. On subit déjà assez de violence pour que les mecs ils viennent nous en mettre dans nos chaînes ici, ils en mettent dans la tête à nos petits frères. Moi personnellement, j'aime pas tout ça, tu vois. Personnellement, je pense qu'il n'y a rien à gagner, tu vois, à nous parler de Kalachnikov, à me parler d'armes, à me dire que t'as du blé, c'est bien, t'as de l'oseille, fais tes trucs, ferme ta gueule. Les vrais gangsters, ils parlent pas. Ils sont en sous-marin, mec, ils font pas du rap. Et non plus, c'est vrai, c'est une vérité. Un musulman, mon pote, c'est un mec droit. Il veut que du droit, il veut que du bien pour son prochain, que ça soit un juif, un bouddhiste, ce que tu veux. Les musulmans, c'est des êtres en or, en vérité. Et il y a beaucoup de gens qui sont nés musulmans, mais qui n'ont pas le comportement. Donc, c'est pas des musulmans. Alors, si je te dis, salam alaikum, donne-moi 200 portables, je te donne 4 litrons. Non, hein? Ça le fait pas trop, tu vois, c'est tout. Tu mélanges tout, mon frère. Salam alaikum, c'est un message de paix, et tu viens me parler de drogue, de trucs bizarres. C'est pas bon tout ça, la drogue ça nous tue mon frère. Inch'Allah je vais réussir mon braco. Ouais mais mon frère, ça aussi, tu vas réussir ton braco, Inch'Allah, c'est vrai. Mais sache que tu payes de tes actes. Que ça soit des vrais ou des bons actes, des faux ou des vieux actes. Ben oui, que tu fasses du haram ou du halal, on paye ou on reçoit les récompenses, c'est comme ça. Et on va tous payer pour nos fautes et nos erreurs. Sachez-le les petits frères. C'est Merco qu'on entend là? Ça c'est Merco, ouais, c'est deux morceaux qu'on a fait. En exclusivité? Ça c'est deux morceaux qu'on a fait, on va les donner à des mecs pour des compiles, c'est pas sorti. Il y a que quelques mecs qui ont entendu. On est où ici? On a Beauval mon pote, on est dans notre fief, combinaison de 107 savoir, 77 diqueuse. C'est chez nous ici. En bas des tours. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du rap justement? Moi pour moi. Socialement. Socialement. Aujourd'hui, comme je t'ai dit depuis le début, ça fait 10 ans que je rappe. Avec le rap, j'ai gagné 0 euro. Ça veut dire si je le rappe, c'est je rappe pas pour l'oseille. Ça fait 10 ans que je le fais. Je rappe avec le cœur. Pour moi, c'est un exutoire le rap. Tu vois, je suis un mec, je suis assez renfermé, je parle pas beaucoup aux gens, tu vois, je partage pas trop. Mais quand je rappe, je vide mon sac. Et ça me fait grave du bien. Donc là, vous avez fini votre album? Là, notre album, il est fini, il est prêt. Il y a que, tu vois, on est dans la paperasse. Et Inch'Allah, la rentrée, c'est bon. C'est parti. On rentre dans le game. Vous considérez comme rappeur de mots, justement? Bien sûr, mon pote. On a tous grandi à mots. On est né à mots. On rappe à mots. On a progressé à mots. Et Inch'Allah, ça se trouve, je vais mourir à mots. Il y a que des rebeux dans votre groupe? Ouais, on est trois rebeux. Moi, 077 Merco, As Divin. Deux Algériens, Marocains. Je peux te poser une question? Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu considères justement, qu'est-ce que tu penses des groupes un peu communautaires où il n'y a que des robeux, un petit peu comme la Rafale, un petit peu aussi comme il y a des groupes où il n'y a que des blacks, genre la Brigade, j'en sais rien. Bah t'as vu, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi je pense, tu vois, à notre époque déjà, notre époque en elle-même, en oubliant le rap, elle est grave communitariste. Ça veut dire les rebeux avec les rebeux, les renois entre renois, tu peux trouver du mélange, mais c'est super rare. Et le rap, il reflète quoi notre époque, mon pote? En ce moment, il n'y a que de la violence dans le rap. Notre époque, elle est violente. Il y a du communautarisme. Notre époque, elle est communautarisme. C'est comme ça. C'est ça. Vous ressentez bien ça? Moi, personnellement, tu vois, moi, je m'entends avec tout le monde. Ça veut dire que t'es black, blanc, beurre, je m'en bats les couilles. Si t'es un mec bien, je t'aime bien. Et voilà. Tu vois, nous, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. On se connaît depuis toujours. On est des amis d'enfance. Tu vois, on a rappé ensemble. Avant, on était plein. On s'est retrouvés à trois à la fin. C'est comme ça. Et avec le truc, on est trois rebeux, tu vois. Ici, c'est anti-blanc ou pas ici? Non, du tout, mon frère. Tout à l'heure, il y avait Lilix, c'est un blanc, mon pote. Il est avec nous. Comme je t'ai dit, si t'es un mec bien, t'es un mec bien. C'est pas la couleur qui fait le cœur. Ben oui, mon pote. Et c'est quoi votre secret pour durer, justement? Qu'est-ce que vous allez faire pour durer? C'est quoi votre particularité? Ben, Inch'Allah, on essaie d'être sincère le plus possible. Et quand tu rappes avec ton cœur, tu vois, les gens, ils savent. Le vrai, c'est vrai, ils le ressentent. Et je le ferai tant que j'aime le rap, je rappe. Dès que j'en aurai marre, j'arrête.
Dédicace mon pote. Dédicace à toute la famille, Beauval, Pierre Collinet, tous les mecs que je connais, tous ceux qui me connaissent, tous ceux que je respecte, que je kiffe, ceux qui me, pour qui c'est réciproque, à mes potes AS Divin et Merco, Rythmo, tout le reste, les mouvements Meldoa du rap, on arrive dans le game. Et Mystique, qu'est-ce qu'on pense Mystique? Mystique, c'est un mec en or, pourquoi? Parce que c'est un mec, il est venu, il connaissait ni Dev ni d'Adam, c'est le premier qui m'a fait ramener, qui m'a ramené en studio, tu vois. C'est le premier qui m'a fait faire un clip. Grâce à lui, c'est la première fois, un morceau à moi, il est sorti, il était dans des bacs, il y avait mon blaze écrit derrière une pochette originale. Je le remercie. C'est un mec qui nous a fait avancer, il est gentil, c'est un mec bien. Beaucoup de gens parlent, mais bon, ils parlent sans connaître. Une fois qu'ils connaissent, ils changent d'avis. Est-ce que tu trouves que son feeling, il a changé depuis qu'il est tombé? Ben, Mystique, il a un rap qui a grave évolué, en fait. Il a eu trois étapes. À la base, c'était un rap de test, à mort. Après, il est venu, son deuxième album, dans lequel j'ai posé, c'était plus calme. C'était la paix, justice et paix, arme et conscience, c'était ça, ces titres. Et le troisième album, gonflé à bloc, c'est un autre délire, ça y est, tu vois, la prison, ça te change un mec, mon frère. C'est ça. Les petits frères aussi, il faut qu'ils captent. Quand tu rentres au Hebs, tu ressors pas pareil. Après, il a changé, il a fait son rap, tu vois, c'est Mystique, hein, moi, personnellement, voilà. Réseau clandestin. Réseau clandestin, c'est les anciens de chez nous, mon pote. C'est à l'ancienne, le réseau Champagne, ils nous l'ont détruit, le bâtiment, c'est bâtard. Ça s'est un peu dispatché. Et voilà, Inch'Allah, j'espère que ça va revenir à Donf, à Bloc, Kamaz, Ossine, tout le monde, tous. Antar, Halaouma et Malfra. Ben oui, moi c'est ça que je pense. J'espère, Inch'Allah. Moi je veux que Mo, tu vois, ça gère. Qu'on est 1600 rappeurs à Mo, mon frère. Et voilà, la vérité, c'est un mec qui sort, il en ramène un autre avec lui. Ces deux-là, ils en reprennent un autre. Jusqu'à la fin, on est tous, mon pote. Normalement, Mo, c'est la capitale du rap français. On est 800 000 à rapper. Faut qu'on s'entraide, sinon jamais de la vie on va avancer. Et mon frère, et je te le dis, aussi fais gaffe aux gens, c'est des traites. Parce que ma gueule, pour toi ça roule quand pour les gens t'es rentable. Du monde à ta table, vibressante ton portable. Tant que t'es rentable, du monde demande après toi. On se demande, il court après quoi? C'est pas ce que t'as, c'est quoi d'après toi? C'est dans la hasse qu'on voit les sauts, c'est ouais ma gueule. Quand la vie t'envoie au heps, quand la chance te laisse, te blesse, c'est là qu'on voit les vrais, c'est là qu'on voit les frères, c'est là qu'on voit les traites, c'est là qu'on voit les faux. Matérialiste, amoureux du shit, de la hit, de la coke. Vendrait père et mère pour une baraque près de la côte. Les grands pourris pendant que les petits prennent la cote. En chien sur tes côtes et toi t'es là, tu comptes encore sur tes potes. Sur écoute, te vont te mettre les keufs sur tes côtes. Dis-moi y'a qui, quand la vie t'éprouve, te pète les côtes. Seul, en bas de la côte, j'avance seul, seul en bas de la côte. Frère, souvent c'est pas de ma faute. Combinaison de sens et de savoir, fique tout. 77 Jikus, 23 juillet 2006. Dédicace. Dédicace à toute la famille, dédicace aux Algériens, dédicace à tous les peuples qui souffrent. Dédicace au monde entier, nique les oppresseurs. Sarkozy, Sarkozy, laisse tomber Sarkozy, t'es un étranger. T'es là, tu veux nous laver au karcher, ça va pas à la tête. Va, toi va te laver, nous on est des gens propres. Je disais la concurrence, il y a deux styles de concurrence. Il y a une concurrence positive, une concurrence négative. Pour moi, la concurrence, elle te fait progresser, elle te fait avancer. Parce que tu as des objectifs, tu as envie d'être bon, tu as envie d'être mieux que les autres, tu as envie d'être meilleur. C'est un peu égoïste, tu vois, un peu dans l'orgueil. Mais c'est ça, mon pote, c'est positif. Sans pour autant, moi je parle dans le rap, tu vois. Je veux être meilleur en rap, mais dans la vie, mon pote, on est des amis. Je veux pas aller venir tailler un mec pour du rap. Casser des gens pour du rap, il y en a plein, ils font ça, tu vois. C'est que du rap, c'est que du vent, mon frère. C'est que des paroles, et c'est tout. Et le clash, moi je trouve, c'est nul le clash. Personnellement. Salam alaikum. Mounir, ça va Mounir? Salam Mounir. Mounir 7-7. Okay. Le clash, laisse tomber, c'est une source d'embrouille, tu vois. Moi je vais, tu vas venir, tu vas clasher un mec. Le mec il va mal le prendre, ça va finir en bagarre, tu vas lui dire des insultes, tu vas dire des trucs bizarres. Personnellement, c'est pas bien. Faut respecter les gens, tu vois. Donc ce que vous faites, vous, c'est conscient alors? Nous c'est du constat et du conscient. Tu vois, on a une certaine. On sait, on n'est pas d'ahmar, on a la notion du bien et du mal, tu vois. Et le rap, personnellement, sortir des CD, tu laisses des traces. Et tes petits-enfants, ils vont l'entendre, tes enfants, ils vont l'entendre. Ta famille, ils entendent. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis les gens que t'aimes, ils entendent ça, tu vas dire de la merde. Tu peux pas te permettre. Quand ça se trouve, demain, je vais mourir. Le seul truc que je vais laisser sur terre, c'est le peu de chansons que j'ai faites. Et je vais laisser quoi comme image de moi? D'un mec qui parle mal. Je laisse au moins un message, quelque chose qu'apporte. C'est ça. Rapporte, ça apporte des draps, ça ramène des sous. Mais aussi, ça peut faire des choses dans des cœurs et dans des cœurs. Faut que ça touche le galbe. Voilà, c'est ça. Bon bah combinaison de sens et savoir, voilà.
Ok, à plus tard. Salam alaikum. Ok, salam. Ouais, ouais, ma gueule. 77, voilà, ça fait plaisir de te revoir. Fume le 4-6 coupé, le. Si, oui, oui, tandem. Oui, oui. Hey. Oui, oui, si, si, tandem. Dans ma paire de Nike, ma gueule, on est là, représente. Mafia Kafri, au bled, tu vois, il y a la Mifa là-bas, ils sont en haut du star. Et hey, Jimna Kapsat Al-Bred. Et la famille, ça fait zizir, voilà. On t'a dit quoi? Wesh. Bon, tu filmes là quand même, j'espère. Bien sûr, mon frère. Voilà, bah, je vais sortir le gros quad, tout, la bécane de cross, tout. Faut que tu repasses là, ça va faire un clip. Oh, ça c'est déjà vu, mon frère. Ça, on va sortir les meurs, tout. Si, ça... Voilà, la dame, la Mifa. Filme Taïev, filme Taïev. Non, vas-y, va à gauche. Ouais, gros. Il y a du bif, tout, il y a tout ce qu'il faut là. On ouvre la cave, gros, t'inquiète. Ouais, ouais. 77 représente pour mon grand. Si, si. Ouais, ouais. Ah, c'est le mal, les gars. Ici, oui. À plus, les gars.